Bonjour les toqués du tic-tac. Alors là, évidemment, il vient de poser son téléphone parce que le mec, il aimait pas du tout, non. du tout discipliné. Jamais. Vous l'avez vu, il est arrivé dans une émission par la porte de derrière parce qu'on faisait une émission sur les montres vintage. On avait oublié de lui préciser que c'était les montres vintage neuves. D'ailleurs, j'ai eu la remarque de quelqu'un de vous dans un commentaire. J'ai immédiatement changé le titre de la vidéo et j'ai mis « neuve » en petits guillemets. Parce qu'aujourd'hui, on va faire une émission sur les montres vintage, vintage, les vraies. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, c'est un vrai collectionneur parce qu'il a même un réveil fossile d'époque. Donc d'ailleurs, je le trouve très sympa, très amusant. Tu l'as trouvé où ? Sur une brocante. Comme quoi, sur les brocantes, on peut encore trouver des trucs sympas. Exactement. Combien ? Si je te dis, je vais jamais me croire. 15 euros. Donc, voyez, on peut encore trouver sur les brocantes, les foires à tout, les vides-greniers, les vides-maisons, des trucs incroyables. Bon, cherchez pas des Rolex Submariner, il y en a pas. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ou alors, si vous en trouvez une, vous mettez un commentaire. Hein. N'oubliez pas, commentaire, petite cloche, évidemment, abonnement et les comptes Instagram. Alors là, il n'y a pas un compte Instagram, il y a deux comptes Instagram, puisque évidemment, il y a le mien que vous connaissez. Et on va rajouter, évidemment, celui de Michel, qui nous fait l'honneur, l'avantage et le privilège de nous accueillir chez Pérenne. Regardez ça. Les plus belles cuisines du monde. Ce mec-là est un génie de l'architecture d'intérieur. Mais bon, on n'est pas venu pour parler de ça, on est venu pour parler de ces montres vintage. Donc, c'est une grande émission. Je lui avais dit de sélectionner 5 montres, max 6, bon, il y en a 7. Ok. 8 avec celle à son poignet. Tu portes quoi, là ? C'est la cerise sur le gâteau, C'est la cerise sur le gâteau. Ok. En plus de ça, il me pique mes trucs. Oui. Il me dit non, ça c'est la cerise sur le gâteau. En plus, une horloge jaquette rose derrière. T'as fait le setup là. On est dans les codes de Franck Sensé. Là, t'es à fond là. À fond. À fond les ballons. Alors, vas-y, commençons par la première. Qu'est-ce que tu nous as sorti ? Je te propose et je vous propose de regarder une Tiger Manza. Il me le refait. Hein. Ben, j'ai fait deux. Hier. Alors, moi je veux bien qu'on dise hier, mais c'est quand même écrit. Heure, voilà. Et ça donne quoi une montre ? Ça donne l'heure. Bon bah voilà. Donc si c'est, on dit pas quelle heure, quelle hier est-il ? On dit quelle heure est-il ? Voilà. Voilà. Enfin le mec s'appelait Jacques Heuer. Eh bien justement, Jacques Heuer a designé cette montre en 1976 suite à un grand prix gagné par Ferrari pour célébrer. C'est la première fois que la nomination de Monza apparaît sur une montre. Parce que Ferrari venait gagner Monza cette année-là. Exactement. Et donc c'est un hommage puisqu'on sait que Heuer a déterminé des modèles de montres sur des circuits automobiles. Donc on a un boîtier acier. Elle existe en deux versions, un boîtier aluminium teinté noir et un boîtier acier traditionnel brossé. Avec une couronne d'un côté et les deux poussoirs de l'autre côté. Ce qui ressemble d'ailleurs à la Monaco originelle. Exactement, hein, exactement, à la Monaco. Très belle montre, vintage, évidemment. Ah oui, ça c'est extrêmement intéressant. Évidemment, le Monza est mis au-dessus du Heuer. Tu l'as trouvée où cette montre ? Parce que ce qui est intéressant avec les collectionneurs, évidemment, c'est de savoir combien de temps ils ont chiné la montre, combien de temps ils l'ont cherchée, parce qu'il y a autant de kiff à chercher une montre qu'elle a trouvée. Et puis surtout que Michel, en plus, il les porte, ces montres. C'est pas un collectionneur qui met les montres sous bulle. Non. Il les porte. C'est comme ça que je lui ai proposé de faire l'émission. Parce qu'à chaque fois qu'on se voyait, puisqu'on se connaît par amis interposés, il portait des montres différentes au poignet. Mais je dis, mais t'en as combien ? Il dit, oh, quelques-unes. Ouais, enfin, quelques-unes. Vu. Bon, et cette montre, alors explique-nous d'où elle vient. Bah, cette montre, en fait, je l'ai pas du tout cherchée. Elle était pas au catalogue de mes projets. J'en voulais pas. C'est marrant parce que moi, c'est pareil, il y a 20 ans, j'avais une fiancée, j'en voulais pas. Et puis, je suis resté très longtemps avec elle. Ah, bah, ça nous arrive à tous. Hein. Ouais. Donc, je déjeune avec un copain qui est expert horloger, comme d'habitude. Il me montre quelques trous. Donne son nom, c'est sympa. Jean-Christophe Guillon, évidemment, voilà. Grand expert horloger, qui est un ami extrêmement proche. Et donc, Jean-Christophe me sort cette petite merveille de sa mallette, je n'étais pas du tout prévu. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette chose ? Bah, il me dit, mais ça, c'est Michel, c'est une Monza Heuer. Ah, lui, il dit Heuer. Évidemment, c'est un expert. D'accord. La truffe ici, c'est moi. Je vois cette beauté. Alors, mon approche des montres est très graphique. Et au-delà de la. Ton côté architecte. Exactement. Donc, je suis tombé amoureux. Donc, moi, je dois avoir un flash sur une montre. Et je dis, mais attendez, mais qu'est-ce que j'ai jamais vu ça ? Elle a une particularité incroyable. On a un excentrique sur 10 heures sur les secondes. Et on a à 3 heures un autre module de contrôle. Un petit compteur avec, en plus de ça, 3 secteurs dedans, comme je disais tout à l'heure. C'est vrai que graphiquement, il est spécial ce cadran. Je la trouve extraordinaire. Je n'ai pas trop fan de montres à fond noir et celle-ci, je suis tombé vraiment amoureux. Donc, c'est le côté atypique de la construction qui t'a attiré sur cette montre. Exactement. Et puis, l'histoire qui me raconte derrière, que la Monza est une montre mythique puisque c'est la première fois que l'appellation Monza apparaît sur une montre et que hier rend hommage. Et donc, c'est Jackie, enfin Jacques, pardon, ça c'est pour les intimes. Ouais, mais Jacques ou Jackie, ouais, hier. Ça fonctionne. Hier, qui a designé lui-même cette montre. Donc, j'en suis tombé vraiment amoureux. Donc, pas d'hésitation. On y va. Pas courant sur son format boîtier acier brossé. Je te propose de rester dans l'automobile. Donc, je vous présente une Breitling qu'on appelle la Pult. Donc, elle est fond chocolat. C'est une montre de course, une chronomate. Et une bulle head. La bulle head parce que les deux poussoirs font les cornes. Atypique, puisque sur cette production de montres... Donc, atypique atypique, totalement. Je croyais qu'elle était à toi. À qui atypique. Eh ben non, c'est à moi. D'accord.
Ah, le duo, il marche. Hein, ouais. Bon, on a l'habitude. Oui. On est aussi court l'un que l'autre. Bon, c'est vrai que là aussi, le graphisme. Alors là, tu as à la fois une architecture cadran qui est pas courante, et puis tu as le volume de la boîte qui est pas courant. Donc, c'est ces deux choses-là qui ont dû te faire flasher sur cette montre. Exactement. Raconte-nous un peu de comment tu l'as trouvée et d'où elle vient. Alors, celle-ci, c'est sur une vente aux enchères, sur laquelle, sur un catalogue, je l'ai vu. Donc, en préparation de la vente aux enchères, je vois ce modèle-là que je ne connaissais pas. Mon arrivée dans l'univers de la montre vintage, ce n'est qu'avec mes yeux. Et donc, je suis tombé au fur et à mesure des montres et je m'y intéresse. Et j'ai cette approche graphique et élégante. Et je vois ce boîtier incroyable. Donc, je discute sur des forums avec des spécialistes. Et on m'explique que c'est une montre qui se portait à l'intérieur du poignet, d'où la forme très spécifique de ce boîtier acier qu'on appelle aussi... Le pupitre d'école ? Exactement. En fait, de profil, si vous voulez, elle ressemble à un ancien bureau d'écolier, celui où on levait pour avoir accès à ses livres. Voilà. C'est pour ça que nous, on dit pupitre d'école en français, mais c'est un nom, en fait, qui est marié à la fois le vrai nom, je ne l'ai plus en tête, ceux qui savent le laisseront en commentaire, c'est un mélange d'allemand et d'anglais. Donc, cette forme spécifique permet de, si tu me permets, Franck, voilà. De porter comme ça. Exactement, lorsqu'on conduit son véhicule, et on retrouve l'esprit simple et efficace du placement donc, des deux boutons du contrôle donc, du chrono, donc pour, comme un chronomètre traditionnel qui existait bien avant, et on retrouve donc la fonction du chronomètre. J'ai peut-être dit une connerie. Ça, là, j'aime bien parce qu'ils plongent tous dedans. Ah, oui. Tu confonds chronomètre et chronographe. Le mec n'a pas regardé toutes mes émissions. J'ai fait une émission spécifique pour expliquer la différence entre chronomètre et chronographe. Et là, il est gaulé. Il ne peut pas dire. J'ai deux émissions, je les ai toutes vues, je suis un fan. Certification chronomètre, oui. Mes fonctions chronographe. Exactement. Voilà. Oui, donc là, tu as les deux boutons comme un chronographe à main, ce qu'on appelle le chronographe main, voilà. qui est le chronographe original. Et donc très pratique pour le pilote automobile pour prendre ses chronos et vérifier ses tours. Alors ça, tu vois, c'est amusant parce que, bon, évidemment, moi, je regarde souvent les montres et je me renseigne sur les montres. J'ai vu que dans la boule LED, les poussoirs avaient été placés en haut pour faciliter leur manipulation quand on est en train de conduire. Et j'en ai eu souvent dans les mains. Mais je dois avouer que t'es pas si truffe que ça parce que tu m'as appris un truc. Et j'en ai eu souvent dans les mains, sauf que je la posais comme ça. Et je disais, mais c'est pas plus facile, je vois pas pourquoi. Mais non, tu viens de m'apprendre qu'elle se portait comme ça. À l'intérieur. Et là, tu viens de... Un éclair de génie, une lumière vient de s'allumer. Bah, rien que pour ça, ça vaut le coup d'avoir fait l'émission ensemble. Hein, parce que... Je ne suis pas si mauvais que ça, quelque part. Non, c'est vraiment bien. Bon, tu as une lunette tournante bidirectionnelle en aluminium de mémoire. Oui, hein. Absolument. Voilà. Tu as évidemment une échelle tachymétrique. Hein. Et tu as un pulsomètre là-dessus aussi. Et il y a un pulsomètre, effectivement. C'était en fait pour les médecins qui font de la course automobile. Alors, c'est bien beau de me parler de tous ces détails comme d'habitude dans tes émissions. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce mélange de fond chocolat, ce blanc et ce orange. Ça, c'est exceptionnel. On a vraiment cet esprit rallye, puriste, exceptionnel, une lecture simplifiée. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu aussi à l'intérieur de la montre. Tu t'es plus attaché aux couleurs et à l'architecture et à ce boîtier qui a un volume incroyable. Évidemment. Plutôt qu'aux fonctions, à proprement dites, aux échelles. Mais ça, c'est une montre que tu peux porter avec un joli chino, un pull élégant col V, une petite chemise en dessous, chic et élégant. Mais ceci, une montre parfaite pour barouder, avec un jean, une chemise décontractée et une jolie paire de baskets. Et on a ce ton qui va indiquer, une montre va indiquer mon état vestimentaire, comment je vais m'habiller. Donc c'est aussi un lifestyle. Make time a lifestyle. Absolument ça. La couronne de remontoir est évidemment à 6 heures. Tu as mis un bracelet rallye, qu'on appelle, hein, avec les petits trous-trous, qui représentent à la fois ce qu'on trouvait sur les volants, trois branches des voitures de rallye, mais également aussi sur les métacarpes des gants de conducteurs d'automobiles de rallye de l'époque. Des gentlemen drivers. Exactement. Gentlemen drivers. Superbe film. D'ailleurs, gentlemen driver, je te signale que je vais en voir un très bientôt, puisque je vais avoir l'honneur, l'avantage et le privilège de faire l'interview de Patrick Dempsey à l'occasion du lancement de la nouvelle Porsche Tagueyère, de la V2, de la Porsche Tagueyère, dont je ne peux pas parler plus parce qu'il y a un embargo. Donc vous verrez ça en temps et en heure au moment du salon Watch and Wonders. D'ailleurs, c'est pour le salon Watch and Wonders. Tu m'invites ? Ben non, je ne peux pas t'inviter. C'est très, très privé. Mais je vais faire des stories, je vais faire des... Donc tu vas partager avec nous ce qui va se passer ? Ouais, on va faire des trucs. Je vais essayer de vous faire pénétrer dans le salon. Je ne sais pas encore comment. Le format n'est pas défini. Mais on va faire des choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette montre ? Toi, tu dis qu'elle s'appelle la Pulp ? La Pult. La Pult ? Pult. Le surnom, c'est la Pult Pupitre, parce que le pupitre qu'on a vu tout à l'heure. Et là, sur ta montre, il y a un petit truc. Je sais. Il y a un petit truc qui me chagrine. Je ne savais pas si tu allais le voir. C'est ton guichet de date. Oui. Parce que je crois que sur le guichet de date original, la date se lit verticalement.
Exactement. Et l'arc, toi, ta date, elle s'affiche horizontalement. Je subodore, je suppose, mais je ne voudrais pas m'avancer, mon cher Watson, que ton disque de date a peut-être été changé ou peut-être été rénové, peut-être réparé. Mais en tout cas, dans les ventes et dans les différentes de cette montre-là, oui. De temps en temps, le guichet de date est vertical et de temps en temps, il est horizontal. Parfois, d'ailleurs, quand il est vertical, je crois que la date est rouge. Sherlock, le crime est résolu. Et effectivement, il y a un sujet de discussion qu'on a évoqué tous les deux ensemble. Il semblerait qu'effectivement, la bonne version serait une lecture verticale et non horizontale comme sur la montre. Est-ce qu'il y a eu un changement de disque? Est-ce que c'est une question aussi de production? Peut-être que nos amis de chez Breitling pourraient nous éclairer sur leur passé, sur leur histoire. Au-delà de nos amis de chez Breitling, la communauté, il y a certainement des gens qui sont beaucoup plus pointus que nous sur Breitling. Si vous avez cette info sur ce modèle-là, sur ces inversions de disques de date, n'hésitez pas à nous faire un petit commentaire. Je vois une deuxième Breitling. Bien sûr, on est lancé chez Breitling Continuum. Alors, on n'a pas respecté l'ordre chronologique. Ah, ça, c'est pas grave, la chronologie. On respecte l'ordre de tes passions. Voici une merveille. Pareil, une montre que je ne cherchais absolument pas. Une Breitling Chronomat, une 812, avec une particularité, c'est qu'elle a un disque, une règle à calcul circulaire. Années 70, ça, à peu près ? On est effectivement en 1970-71. Pareil, cette montre-là, il y a une histoire incroyable. Je vais rendre visite à mon fameux copain Jean-Christophe, expert horloger de son métier. On va déjeuner ensemble, et cette montre est posée sur un coin d'un meuble, d'une commode, posée avec un petit plastique. Elle partait tout simplement en expertise pour une éventuellement vente du propriétaire. Je vois la montre, je la prends dans mes mains, je la regarde. Wow. Cette montre-là, je l'ai nommée la montre du bibliothécaire. Je l'ai trouvée intelligente. Pardon. Et un bibliothécaire, c'est intelligent? Oui. Ah. On n'en parle jamais. D'accord. Et les intelligents n'en parlent jamais. Donc, c'est intelligent. Et j'ai vu de suite, en bas placé, le symbole Pi, et ça m'a beaucoup intrigué. Ah, pour un architecte, en plus, Pi... Exactement, 3,14. Elle est fine, hein? Mais moi, tu sais, je suis un adepte du nombre d'or, donc... Ah, là, c'est Phi. Là, oui, mais tu vois, donc, tout ce qui est cette symbolique... D'ailleurs, MyWatch, pour ceux qui connaissent ce site, je ne sais pas si vous le connaissez tous, normalement, on donne les prix sur MyWatch. D'ailleurs, ça s'affiche là, si vous ne le connaissez pas, allez-y. L'architecture du site a été faite sur le nombre d'or. Ça veut dire que tout le cadrage des photos est fait sur le nombre d'or, toute la maquette du site est faite sur le nombre d'or. Ce qui fait d'ailleurs un site qui est très friendly pour le mobile. Voilà. Tu vois, c'est donc le nombre d'or des cathédrales se retrouve aujourd'hui sur les mobiles, c'est amusant. Cette fameuse Chronomat Breitling est une montre qui m'a de suite sauté aux yeux. Elle est sur fond blanc, donc une lecture incroyable. Et les indicateurs d'horaire sont symbolisés par des bâtons dorés. À l'intérieur, donc c'est quand même assez singulier, puisque très souvent, on va retrouver ces indices de lecture à l'extérieur du cadran. Là, ils sont à l'intérieur afin de permettre la lecture technique de la lunette de règle à calcul qui tourne effectivement dans les deux sens. Donc ce modèle-ci est l'évolution initiale, puisque en fait, chez Breitling, en 1941, le chronomètre sort et on a cette fonction de règle à calcul pour les pilotes, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, afin de pouvoir calculer leur temps de vol, leur cap, leur réserve d'essence, leur consommation. Et les angles horaires, je pense. Hein, et parce les angles horaires, effectivement. Parce qu'il y a l'affichage en minutes. Hein, donc, exactement, ça, et les angles horaires. L'évolution arrive donc en 1970, et cette montre, dans sa fonction, a été rechangée. Donc la partie mobile extérieure est revenue à l'intérieur par rapport au modèle version 1, et ce qui permet aujourd'hui d'avoir une échelle logarithmique avec la lunette tournante. Et là, on peut calculer des pourcentages, des soustractions, des divisions. On a la fonction pulsomètre, on a effectivement toujours une échelle tachymétrique disponible. C'est une vraie règle à calculer. Un outil de travail, donc ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Au-delà de sa beauté, elle a une réelle fonction, c'est un outil. L'utilité. L'utilité. Un instrument. Un instrument de c'est travail. C'est la Toolwatch dans la Toolwatch par excellence. Exactement. Et pour m'amuser, de temps en temps, lorsque je la porte, j'essaye de travailler avec, et c'est d'une précision vraiment redoutable. Ah bon ? Oui, bien sûr, faire une remise de 20% sur un montant... Parce que tu fais des remises, toi. Alors ça me ferait mal. Ah non, pardon. On me fait des remises. Alors parce que 20%, je te rappelle, c'est pas les remises, c'est la TVA. C'est, ah oui, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Voilà. Il a bien essayé de vous le faire, mais là, ça marche pas. Bah oui, en hors-taxe. Mon voyou, va. Ok, super montre. Tu la portes de temps en temps, donc oui. Celle-là, tu les portes toutes. Toutes les montres que je vous présente, je les porte. On tourne, elles sont bien sûr sécurisées. Au coffre, c'est quand même indispensable. Mais tu fais comme moi, tu as un coffre à la banque, oui, où tu mets la majorité de ta collection, tu en gardes 2-3 chez toi, et comme ça tu tournes. Oui, et puis on va faire un tour à la banque, et puis on tourne selon les humeurs, les envies, les saisons, les rendez-vous. Les montres aussi sont des moments où, tiens, bah, je vais avoir un gros rendez-vous, j'ai présenté un très grand projet, ou j'ai un rendez-vous à la banque, ou avec une charmante demoiselle. Ah. Voilà. Donc je vais choisir
la montre adéquat selon l'humeur. Ta banquière est jolie, c'est bien. Bracelet rouge, pourquoi ? Bah, tout simplement, rien n'est anodin. Effectivement, on va retrouver les indicateurs chronographes qui sont tout simplement en rouge. Ah d'accord, donc l'aiguille centrale des secondes de chrono et à 3 heures, les minutes de chrono avec les aiguilles rouges. Absolument. Et le petit pi aussi, il est rouge ? Le petit pi est rouge. Et le H qui est en haut, il sert à quoi ? Donc ça sert à recalibrer tout simplement la lunette sur sa position initiale. Bon, bah encore une belle Breitling. D'ailleurs, Breitling va nous préparer des belles surprises puisqu'on va avoir un événement autour de la nouveauté Triumph là, qui est sortie. Et puis quelque chose dans l'avion. Alors là, je ne peux pas vous en dire plus, c'est sous embargo, mais ils nous font faire un périple. Enfin, j'ai rien compris. Mais vous serez avec nous dans l'avion, vous embarquerez, nous ferons des stories et ce qu'il faut pour ça. Alors maintenant, on passe sur une autre marque. Oui, une montre qui m'est très chère, puisque là, pour le coup, celle-ci, j'ai mis 5 ans à l'obtenir. Une Geiger Lecoultre, une Memovox avec un fond bleu. Alors, Memovox, c'est un système de sonnerie que l'on trouve sur les Geiger Lecoultre. Hein. C'est pour ça qu'elle s'appelle Memovox. C'est ça, c'est un réveil intégré mécanique. Et c'est ce qui m'intéresse dans cette montre-là. Je la connaissais en finition fond noir, en finition fond blanc qui est la plus courante. Fond noir est déjà un peu plus rare. Fond bleu extrêmement rare. J'ai eu cette chance incroyable par mon réseau et avec beaucoup de patience. J'ai même dû peut-être aussi me séparer de quelques montres pour pouvoir me l'offrir, puisque c'est aussi ça, l'univers aussi de la collection. Il y a des choix à faire. On ne peut pas tout avoir, on ne peut pas tout choisir. Et je ne regrette pas ce choix, puisque c'est un rêve. Là, clairement, c'est un rêve. J'ai mis 5 ans avant de l'obtenir. C'est une grande rareté. C'est une montre qui a été fabriquée en 1965. Et ce que j'aime dans ce modèle-ci, c'est qu'il n'y a aucun chiffre, il n'y a rien. On est dans l'épure totale de ce que c'était même à l'époque Geiger. Avant que les deux manufactures fusionnent, c'était une spécialité d'avoir ce qu'on appelle une lecture par bâton. Il n'y a aucun chiffre romain, il n'y a aucun chiffre arabe. Le seul chiffre qu'on peut voir, c'est la date, puisqu'on a un guichet à date à 3 heures. Et la particularité de cette montre, bien sûr, au-delà de donner l'heure, c'est de pouvoir sélectionner l'heure de réveil sous un format de 12 heures, puisqu'on ne fait pas la différence entre le matin et le soir, donc il faut être vigilant dessus. Donc on remonte en haut, sur le remontoir, pardon. Qui est à 14 heures, qui est à 2 heures. La mécanique du système. Donc c'est une complication. On est dans une complication. Oui, bien sûr. C'est une complication mécanique. Qui paraît anodine, mais un petit marteau à l'intérieur va frapper le boîtier afin de réveiller. On peut éventuellement faire la démonstration, peut-être après, de son fonctionnement mécanique. On retrouve le remontoir pour régler l'heure de la montre. Bah, je te propose, on va les faire sonner. Mais bien sûr. Ouais, elle sonne bien, dis donc. Bah, merveilleusement bien. Tu règles l'heure de réveil par ce petit... cette petite flèche, effectivement. Petite flèche, ce petit index, ce petit pointeur. Extrêmement discret. Qui est sur un disque tournant central. Exactement, de toute beauté. Vous voyez d'ailleurs que ce n'est pas un boîtier surdimensionné. Je rappelle que les montres vintage sont souvent avec des boîtiers un peu petits. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit certaines marques réduire légèrement leur taille et leur diamètre de boîte de montres pour revenir dans cet esprit vintage qui a... la cote et qui est très à la mode en ce moment. Évidemment, on reconnaît l'esthétisme et le côté esthète de Michel, puisque le bracelet est évidemment bleu, coordonné, avec le cadran qui est, c'est vrai, de toute beauté, avec un centre soleillé. Légèrement irisé. Qui joue avec la lumière par rapport au tour sur lequel ce sont les index bâton dont tu parlais. Tu l'as trouvé où ? Un début de vente aux enchères, avant qu'elle soit mise aux enchères par mon réseau, avec cette recherche que j'avais, donc des alerteurs. Des alerteurs ? Bien sûr. Bah, quand on est créateur, on invente des mots qui m'ont permis de la détecter et avant qu'elle soit mise en vente aux enchères, de faire une proposition au vendeur. Qui a été acceptée pour l'avoir. Exactement, tout à fait. C'est-à-dire qu'il a squeezé ceux qui voulaient l'avoir, il les a squeezés. Hein. Le mec est fort. D'ailleurs, l'anecdote, c'est que j'ai rencontré le vendeur, il voulait savoir pourquoi je voulais l'acheter en fait. Et c'était assez intéressant puisque en fait, je suppute, qui cherchait à savoir la motivation de cet achat. Puisque effectivement, toutes les montres qu'on voit ont une certaine cote. Effectivement, elles valent moins cher que leur prix de vente initiaux, mais elles prennent aussi de la valeur. Mais ce n'est pas du tout ça qui m'intéresse. Une montre, c'est fait pour être portée et ça va être aussi un plaisir. Alors, on est très content qu'elles ont une certaine valeur, puisqu'on les achète au bon prix et on peut les revendre à un prix un petit peu plus intéressant. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est l'amour de la montre. Elle cote combien, celle-là ? Et c'est une montre qui va coter entre 12 et 13 000 euros. Elle est magnifique. Hein. Et elle est extrêmement rare. Donc, c'est ce que j'aime en fait dans ces montres, elles sont complètement atypiques. D'ailleurs, je pense que sur cette émission qui est un peu particulière, on va pas vous faire un article sur MyWatch, sur les montres, parce que c'est des montres vintage et que c'est Michel qui en est l'initiateur de cette collection. La cote de la Monza, tu sais à peu près ou pas ? On est aux alentours de 4000 à 5000 euros. La Bulleid ? La Bulleid, 6000 euros. La Breitling ? 4000 euros. Alors là, maintenant, on vous emmène dans le football. Exactement. Et chez une très jolie maison qui s'appelle Omega, une très belle manufacture. Et là,
on est sur une montre vintage, donc des années 70, et avec une particularité, le fond est tropicalisé. J'aimerais faire une petite aparté sur le mot tropicalisé, car je regarde tes commentaires. Ah, t'as vu qu'il y en a un qui a dit « ouais, tropical, tropicalisé ». Tropicalisé, ça voudrait dire que c'est prévu pour les tropiques. Non. Et non. Tropicalisé, c'est qu'elle a été victime justement du climat. La patine s'est créée à cause de l'humidité, et donc les peintures travaillées à cette époque-là réagissent à l'humidité et à la température, et donc elles se patinent. Donc cette montre, son surnom, c'est la soccer. C'est la soccer, pourquoi ? Parce que ce sont des compteurs qui sont destinés à l'arbitre de foot. Exactement. Donc Omega, lors d'une Coupe du Monde, je crois que c'est au Mexique, édite ce produit incroyable, qui est sur l'appellation Seamaster, ce qui est quand même assez incroyable, est destiné à un univers tout à fait particulier qui est le football. Donc j'en suis tombé amoureux. Bah oui. Atypique. Et puis surtout parce que aussi dans ce que tu aimes toi, c'est le côté avec le cadran, avec ces compteurs qui sont sectorisés de façon tout à fait originale. Ce qui est intéressant de dire, c'est que les montres de foot aujourd'hui ça existe. Il y en a un qui a fait même une montre spéciale pour les arbitres, mais c'est une montre connectée, c'est une montre digitale. Exactement. Et c'est Hublot. Là on a la montre. Mécanique de l'arbitre de foot vintage, et maintenant les arbitres de foot modernes, ils ont une Hublot au poignet, donc c'est assez amusant. C'est très sectorisé, ouais, c'est assez sympa, ouais. Voilà, ça indique la mi-temps. Donc tout ça est très spécial, et puis on a quand même un boîtier qui est élancé, qui est de forme tonneau, avec le rond au milieu, avec le cercle. Donc ce tonneau et ce cercle, ça donne aussi un côté architectural, c'est aussi ça qui t'a fait sauter sur cette montre. Exactement, et c'est ce côté atypique, particulier, qui la rend à mes yeux unique, et ce fond tropicalisé. Elle était évidemment vendue avec un bracelet acier, peut-être certains créeront au sacrilège, mais j'ai décidé de la présenter sur un atto, qui est sur un camailleux du fond tropicalisé. Et voilà, le côté esthète encore, évidemment. Et si je peux me faire racheter à ceux qui vont crier au scandale parce que j'ai pas mis un boîtier, le bracelet en acier, le natto vient de chez Omega, exactement, et je remercie d'ailleurs à l'équipe d'Omega Rue de Sèvres de m'avoir accueilli. Oui, parce que Rue de Rennes, c'est Jean Lassossois. Exactement. Hein, mais comme c'est notre ami aussi, évidemment, exactement. On lui fait un petit coucou. D'ailleurs, il va faire des apparitions très certainement dans l'émission que l'on prépare sur les contrefaçons, puisqu'on est en train de récupérer des informations de première importance pour vous faire une belle émission sur les montres contrefaites. Alors là, il y a une montre sur le plateau un peu spéciale. Bah, qui sort des sentiers battus. Ouais. Pour différentes raisons. Elle sort un peu de ta collection, donc c'est amusant ça. Exactement. C'est une montre qu'on appelle la lecture mystérieuse, puisque la lecture de l'heure, on doit être initié à son mode de fonctionnement. Donc ça m'a beaucoup plu. Et puis par rapport à toutes les montres qu'on a vues de magnifiques factures, celle-ci n'est pas d'une très grande marque, puisqu'elle a été fabriquée sous le nom de Tendor Delory. Tenor Delory, pardon. D'accord. C'est une montre sans aiguille. Faux, il y a une aiguille. Mais ça, c'est parce que j'ai pas mes lunettes. On ne me surprend pas comme ça. On a effectivement... Ah, il y a l'aiguille des secondes. L'aiguille des secondes, exactement. Alors, elle est vraiment fine, l'aiguille des secondes. Hein. C'est juste pour... C'est un indicateur de marche, pour être sûr que la montre marche. C'est ça. Et je pense que la lecture se fait par l'axe central sur les deux disques. Absolument. Donc, c'est à l'intérieur, lorsque les deux disques se croisent au centre de la montre, que l'heure est donnée. Donc, nous avons un disque à 9 heures, qui représente les heures, et un disque à 3 heures, qui va représenter donc les minutes. Mais les minutes par affichage de 5 minutes et des tout petits indicateurs de minutes entre chaque 5 minutes. Ils sont quasiment invisibles. Quasiment invisibles. C'est-à-dire que là, il est 3h05. Il est 3h05, oui, monsieur. Bah, tu l'as pris pour le côté architectural ? Complètement. C'est une montre que j'ai trouvée complètement atypique. C'est aussi ça qui me plaît. Cette architecture est incroyable. Et elle a une complication. Laquelle ? Qu'il n'en est pas une, mais tout simplement, on peut imaginer que c'en est une. Mais le cadran de la date fonctionne aussi comme une montre traditionnelle. La lecture se fait sur la vis bleu à 6 heures, et donc le cadran est totalement visible. Il n'y a pas de guichet en fait. Il n'y a pas de guichet. Hein, donc vous avez un disque de date visible, sans guichet, et l'endroit où se lit la date, bah, c'est l'endroit où naturellement le chiffre est le mieux positionné à l'horizontale pour bien voir la date. C'est une montre assez amusante. Hein. Très amusante, en plus, ce qui m'a d'autant plus séduit, c'est qu'elle a un fond, on ne peut pas dire squelette, mais transparent, donc visible, avec un très joli mécanisme à l'intérieur. Et la vie est aussi parfois bien faite, la chance exceptionnelle
Chanel que j'ai eu sur cette montre-là. C'est une série limitée à 30 exemplaires et elle est numérotée derrière et c'est la 30e. Ah, c'est bien. 30 sur 30. 30 sur 30. Tu sais qu'il y a 1 sur 30 ou 30 sur 30. 30 sur... Exactement. C'est Bruyron qui avait fait cette, qui avait créé cette montre. Exactement. Il a designé et c'est aussi le fondateur de la marque plus connue qui est TOT. Alors la marque TOT, c'est amusant. TOT, ça veut dire Time on Target. Il a fait une montre en hommage aux Brigades du Tigre. Thomas rigole, t'as un accent extraordinaire en anglais. Thomas se moque de moi tout le temps. Target. Target, voilà. J'ai dit Target. T'as dit Target. J'ai dit Target. Ah oh, punaise. On verra dans les commentaires. Bon, ça va, Target. Oh. Ah, voilà, il me perturbe tout le temps. Bon, j'ai des trucs intéressants à dire sur cette montre. D'abord, moi, je trouve amusant qu'il y ait des petites vis bleuies autour de la lunette, oui. Hein, comme on peut voir. Et puis surtout, il y a un truc qui est très paradoxal sur cette montre, c'est que t'as deux poussoirs de chrono, oui. Mais ils servent à rien. Ils servent à rien. Ils ont pris une boîte de chrono, il y avait deux trous. Et comme c'est pas un chrono, ils ont juste mis des caches. Mais ils ont fait joli parce qu'ils ont mis des caches avec un acier poli, oui. Qui vient en... Sur un boîtier qui est brossé. Sur un boîtier qui est satiné, qui est brossé. Donc ça, c'est assez sympa. Et toujours, on retrouve dans la collection de Michel, on va dire, le côté couleur du bracelet qui est parfaitement coordonné à l'ambiance intérieure. Moi, je trouve que la lunette, elle est assez sympa, tu vois, parce qu'on dirait une lunette de sous-marin. Exactement, tu vois, ça m'a toujours fait penser à un hublot de un hublot de bateau, de sous-marin. Voilà. Une montre de scaphandrier. Oui, une montre de scaphandrier. C'est une montre à visage, comme souvent on dit, parce que les deux cadrans noirs, ça fait des yeux. Donc, vous voyez, on dirait un visage. C'est assez amusant et assez sympa. Il a fait, d'ailleurs, le créateur, beaucoup, avec TOT, beaucoup de d'éditions spéciales pour la police, pour des anniversaires, des commémorations, aussi pour le Challenge Clémenceau. Je parle à mes amis tireurs, mes amis du TSV, le Challenge Clémenceau. Hein, ça vous parle, ça? Voilà, bonjour aux tireurs normands et à tous les copains du TSV. L'avant cerise sur le gâteau, on va dire. Parce que moi, je l'avais mise par là, en me disant ça va être la cerise sur le gâteau. Il m'a sabré au début en disant, non, la cerise sur le gâteau, je la porte. Bon, d'accord. Voilà, là, on va vous montrer un truc, parce que quand même, il a une Rolex dans ses montres. Mais alors, une Rolex dont le cadran, franchement, moi, au départ, quand j'ai vu la montre, j'ai pensé qu'elle était fake. J'ai dit, c'est pas possible. Eh ben, pas du tout. Et là, je te laisse parler de cette montre et de me dire où est-ce que tu as trouvé ça et comment tu as flashé là-dessus. Bah, je sais comment tu as flashé, parce que le cadran n'existe pas. Donc... Exactement. Donc, on est sur un modèle de chez Rolex que vous connaissez tous. Parfaitement, le Datejust classique, avec le cyclope pour la date. Il grossit combien de fois la date? 3 fois, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est 2,5. 2,5. On fait un pari? On fait un pari. Déjeuner? On déjeune. D'accord, on fait un pari sur un déjeuner. Merci de nous dire qui a gagné le pari. Parce que j'avais fait un pari une fois comme ça sur une émission. Et puis c'était sur le galucha. Pour savoir si le galucha, c'était de la raie. Ou du requin. Ou du requin. Et c'est donc du requin. Non, c'est les deux, mon colonel. Les deux, mon colonel. Voilà, et donc. Oui, mais alors, oui, non, voilà. Donc, cette Rolex a un fond complètement atypique puisqu'il était patiné, plus que tropicalisé. On a un fond chocolat doré. Donc, il n'est pas du tout le coloris d'origine. Et cette montre, donc pour l'histoire, ne vous fâchez pas, les aficionados de chez Rolex, je m'étais dit, jamais j'aurai une Rolex, c'est pas ce qui m'intéresse. Vous avez compris que mon univers, ce sont des montres atypiques qui peuvent être liées à l'aviation, à l'automobile, à des lectures mystérieuses, à des choses un peu plus élégantes. Des sonneries, des réveils. Voilà, des choses qui sont atypiques. Et donc, à mes yeux, Rolex n'avait rien d'atypique. Mais ne jamais dire jamais. Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Je suis tombé sur le mec a des lettres. Hein. Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Voilà, c'est ce que disaient Jean. Lui qui boit du vin tout le temps, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Je veux dire, de l'eau, il n'en boit pas tous les jours. C'est pas faux. Je croise cette montre, toujours pareil, à travers mon réseau, qui est posée sur une table. Je viens déposer quelque chose qui m'avait été commandé à un ami. Donc c'est encore grâce à notre ami, à mon ami, et le vôtre aussi, Jean-Christophe Billon. Il a ça sur son bureau. Je dis, waouh, j'ai jamais vu un fond comme ça. Et il rigole, il me dit, mais ça n'existe pas, ça ne se fabrique pas un fond comme ça. C'est le temps qui fabrique ça. C'est le temps qui fabrique ces cadres-là. Et donc ce qui fait que cette montre est complètement unique. Donc avec un joli bracelet, on obtient une magnifique bombe. J'en suis tombé amoureux immédiatement. Je suis très très fier de cette Rolex. Je dois quand même avouer qu'à porter au poignet, elle fonctionne plus que très très bien. Le mécanisme est exceptionnel. Bah, Rolex, c'est des moteurs qui sont increvables. Hein, donc... Voilà, c'est au-delà de certaines discussions sur la cotation, sur moi qui sont anecdotiques, c'est une magnifique, magnifique calibre qui est à l'intérieur et qui fonctionne très très bien. Ce qui est surtout très particulier sur cette montre qui m'a fait penser qu'elle était fausse, c'est que l'uniformité du cadran
La patine du cadran, la tropicalisation du cadran est tellement parfaite que je me suis dit, c'est pas possible que la nature ait fait ça. Et en fin de compte, si. Et là, on est sur un... Ça cote combien, ça? Ça n'a pas de cote? Ça n'a pas de cote. C'est une pièce unique. Hein. C'est une pièce unique. Bon, pour plusieurs millions d'euros, je suis sûr qu'il vous la vend. Même pas en rêve. Même pas en rêve. C'est mon mien. C'est ton tien. Elle est absolument sublime. Et encore une fois, tu as toujours ce petit côté esthétique, hein, où tu cherches, tu mets un soin tout particulier. Oui. Et c'est bien, parce que moi, je connais beaucoup de collectionneurs. Et toi, je trouve que tu mets un soin tout particulier à choisir la qualité de tes bracelets, le dessin de tes bracelets. Le bracelet, pour toi, a une importance particulière dans la montre. Oui. Et on le voit dans toute ta sélection d'aujourd'hui, qui est absolument sublime. Bravo. C'est une très belle collection. Merci. C'est amusant, parce que moi, je dis souvent, les collections, prenez ce que vous aimez. Alors, il y en a qui vont dire, on va faire que les chronos. D'autres qui vont dire, bah, moi, je fais que les Rolex. Et toi, tu as de tout, mais tu as quand même un fil conducteur, c'est l'esthétique, oui, l'architecture, oui, l'utilité. Donc, c'est vraiment une collection très sympa et ça valait le coup de la présenter. Il nous manque encore la cerise sur le gâteau, mais on va dire, tu connais à peu près la cote de celle qu'on n'a pas dite La Soccer? Ouais. Ça va être à peu près 3 500 €. Ok. Et celle-ci, là, la Thunder? Ça va être une montre qui est extrêmement raisonnable, qui est autour de 500 à 1 000 €. Vous voyez, ça veut dire... Bon, et la Rolex, on va dire, elle est sans prix. C'est sûr que si on la donne à Romaria ou à Jean-Christophe, ton expert, oui, hein, ton ami expert, il nous donnera une cote. Mais bon, cote mécanique, une cote de valorisation de l'outil. La cote affective, exactement, n'existe pas. Exactement. On est bien d'accord. Soyez sympa avec lui, d'ailleurs, parce que c'est un bon collectionneur. Et est-ce que sur ton compte Instagram, tu poses des montres ou tu poses que des cuisines? Non, rarement. C'est une exception que je te fais. Ah, d'accord. C'est une exclusivité. Je suis relativement discret sur ma collection de montres. Et vous présenter ma collection de montres, c'est aussi parler de moi, parce que c'est pas que des montres. Ça caractérise, comme tu l'expliquais tout à l'heure, ma personnalité, mes axes, mes lectures, mon goût. Et effectivement, une montre, c'est personnel. Et personne ne détient la vérité sur ce qui est la plus belle montre du monde. La plus belle montre du monde, c'est la vôtre. Bien, alors ça, c'est super bien dit. Et moi, je vais vous dire un petit commentaire en plus. Vous allez voir apparaître sur les Instagram de MyWatch et sur les Instagram de FD Lifestyle, le mien, qui s'affiche là. Vous allez avoir des matières qui vont apparaître derrière les montres. Ces matières, j'ai trouvé une mine dans sa boutique en bas. Une mine de marbre, de granit, de bois. Même tu m'as montré un bois qui était brûlé. Hein. Exactement, une méthode souyaki japonaise. Donc c'était un bois brûlé. Bon, je vais m'en servir pour faire des Instagram. Donc quand vous verrez un fond un peu particulier sur un Instagram, il y a 9 chances sur 10 pour qu'il sorte de chez lui. Donc s'il y a un fond qui vous plaît pour votre cuisine qui est derrière une de mes montres, allô Michel, tu nous mets la cerise sur le gâteau? Bah oui, donc comme d'habitude, dans le rituel de cette super émission que tu... C'est trop gentil. Que tu m'as dit avec Maestria, je la porte au poignet, sur un bracelet NATO. Et c'est un choix qui était cornélien, parce que j'ai hésité effectivement avec la Rolex. Mais c'est une Breitling. T'aimes bien Breitling, hein? Bah, en fait, bizarrement, ce que j'aime chez Breitling, c'est pas pour ce qui sont le plus connus, c'est-à-dire la Navi Timer. Ouais. Et donc on est encore sur une chronomate, édition course rallye. On retrouve cette lecture d'aiguille orange, vif, avec deux cadrans à 3h et à 9h, et la date qui se retrouve en bas à 6h. Et donc on est sur un chronomate. La particularité, c'est que... La couronne de remontoir est à gauche. Exactement, ouais, sur ce mécanisme. Et en fait, on est quelque part sur la structure de base intérieure mécanique pure de la Pulte qu'on a vue auparavant, qui a été tournée de manière sinistrum sur la droite. Et c'est intéressant à dire, voilà. Ça veut dire qu'en fait, vous avez le même calibre à l'intérieur. Et là, on retrouve évidemment, si on tourne la montre dans ce sens-là, les deux poussoirs de la boulette qui est juste à côté, et la couronne de remontoir qui est en dessous. Donc, en fait, voilà l'explication, ta cerise sur le gâteau. Exactement. Et donne une information, exactement, supplémentaire. C'était ça. Et donc, c'est ce que j'ai admiré à cette époque-ci, lorsque les horlogers travaillaient sur les montres. Il y avait une logique, quelque chose de malin, d'intelligent. En gardant le mécanisme qui est de qualité, on présente une nouvelle montre en changeant le boîtier et le fond. Quand une mécanique fonctionne, il ne faut pas changer. Bien sûr. Donc le chronomate était vraiment un très très beau calibre. Alors pour Breitling, moi j'ai un appel que je fais toujours à Georges Kern, qui est le président de Breitling, et je pense que tu vas être d'accord avec moi. T'es d'accord? Déjà. Nous, si Charlize Theron veut venir tourner au milieu de nous, oui, on est d'accord. Charlize, on t'attend. Bon, quelle est la cote de cette montre? Environ 4 500 €. Et tu l'as trouvé où? Pour le coup, sur une vente aux enchères. Ah, sur une vente aux enchères. Oui, tout à fait. On a fait une émission avec Romain Réa sur les ventes aux enchères, parce que Romain Réa, c'est le président d'Anticorum, qui est
la première des maisons, plus ancienne des maisons de vente aux enchères horlogères, où on donne des conseils sur les ventes aux enchères. C'est intéressant de voir, d'aller voir cette émission qui est une des premières émissions. Soyez un peu indulgents, elle a certainement des défauts, mais je crois que c'est même la deuxième émission qu'on ait faite sur cette chaîne. Ne vous enflammez pas dans les ventes aux enchères, n'oubliez pas qu'il y a des frais et que quand le marteau tombe à 1000, c'est pas 1000 que ça va vous coûter, hein, ça vous coûtera plus cher. Plutôt 1200. Plutôt 1200. N'hésitez pas à aller voir les montres s'il y a une exposition avant. Les experts sont là pour vous les montrer, pour vous les faire toucher et même pour vous les faire essayer. Il n'y a rien de plus frustrant que d'acheter une montre aux enchères, de l'avoir, de la payer et puis de la mettre au poignet et de se dire « Ah bah tiens, elle me plaît pas tant que ça ». Donc surtout, voilà. Hein, dernier petit conseil, quoi. Une enchère, ça se prépare. Une enchère, ça se prépare, voilà. Quel est le point commun de toutes ces montres, à part ce petit bracelet que tu coordonnes à la couleur, à l'architecture? Le même point commun de toutes ces montres, dont la Réveil. Moi, j'en ai trouvé un pour toi. Mais je pense, sans rien trahir, et je vais te le voler cette fois-ci, c'est que lorsqu'elles sont arrêtées, je pense qu'elles donnent l'heure deux fois par jour. Ouais, l'heure exacte. Ouais, il m'a eu parce que je pensais qu'il n'y penserait pas. J'y ai bon, pensé. Allez, à tout à l'heure. Au revoir.